Centre des Congrès, on organise notre traditionnel Aquae. C'est une compétition internationale d'aérobic. Et nous avons aussi associé en cérémonie d'ouverture le gala du club. On aura aussi demain des qualifications et ensuite les finales sur le dimanche. Qui dit finale, ce sont les 8 meilleurs participants qui vont se disputer la médaille d'or, d'argent ou de bronze. C'est une étape importante, l'Aquae, parce que c'est déjà un traditionnel tournoi. Depuis 2006, on l'organise, donc il y a une réputation mondiale. Là, nous avons l'Argentine, le Mexique, c'est pour dire, le Cap-Vert, ils viennent de loin pour faire cette compétition. Et c'est important parce que c'est le début. Et après, il y a les étapes de Coupe du Monde dans la suite de la saison. Alors, il y a 13 nations qui sont présentes ici. Je vous ai parlé du Mexique, de l'Argentine, parce qu'ils viennent de loin, la Finlande, l'Espagne, l'Allemagne, l'Autriche, je vais en oublier, la Slovaquie, mais il y a une nation qui est très, une nation phare, très forte, c'est l'Italie, et ils sont là présents en nombre ici à Aix-les-Bains cette année. La nouveauté, c'est de présenter son mouvement d'aérobic, mais de ne pas être évalué par des juges et obtenir une note, c'est d'être classé par des juges, oui, mais simplement sur l'évaluation de la prestation, est-ce qu'ils ont été beaux et bons sur scène, et le public aussi participe. C'est un peu comme Incroyable Talent. Donc ça se fait avec son smartphone et ils établissent également leur classement. C'est quelque chose de nouveau et qui séduit bien puisque on a commencé l'année dernière et cette année nous avons des nations comme la Suisse et la Suède qui se sont joints à la France pour cette compétition. Et nous faisons aussi un système de battle, un peu comme le hip-hop, de façon à essayer de démocratiser notre activité qui reste un tout petit peu intimiste. Nous, le club d'Aix-les-Bains, nous avons 23 gymnastes qui sont engagés dans cette compétition sur le programme STAR, justement le programme qui est évalué aussi par le public. Ils sont prêts et ils attendent qu'une chose, c'est de montrer ce qu'ils savent faire. C'est une compétition qui est quand même très amicale, tout le monde est très content d'être là et c'est ce qu'on souhaite. Bon, compétition, mais amitié.